Amigo, imagine un match où chaque joueur mettrait sa vie en jeu à chaque passe, où chaque tir serait un acte de défi, un cri de liberté face à l'oppresseur. Et le tout en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, c'est l'histoire du FC Start, une équipe ukrainienne qui a joué non seulement pour la victoire, mais pour l'honneur et la résistance face à l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, on va parler d'un match légendaire que l'on nomme encore aujourd'hui le match de la mort. En 1941, l'Europe est en plein chaos, déchirée par la Seconde Guerre mondiale. Hitler oublie malencontreusement le pacte germano-soviétique et envoie son armée envahir l'URSS. C'est l'opération Barbarossa. Une campagne militaire sans précédent durant laquelle se déroulent les batailles terrestres les plus sanglantes et les plus meurtrières de la Seconde Guerre mondiale. Au mois de septembre, les panzers de la Wehrmacht avancent en Ukraine. Tous les hommes sont mobilisés pour résister face à l'envahisseur et notamment les joueurs du Dynamo Kiev. L'équipe est donc dissoute et les joueurs sont envoyés au front. Mais comme on ne troque pas les crampons pour le treillis militaire du jour au lendemain, ils se font capturer très rapidement et envoyer au camp de Darnitsa, tout comme 600 000 autres personnes. Et comme tout le monde le sait, les règles de la Convention de Genève, pour Adolphe, ça a autant de valeur que le mode d'emploi de son grille-pain. Ah, les mours. À Darnitsa, les gens finissent torturés, affamés, puis laissés pour mort. Et quelques chanceux finissent par être relâchés. Et parmi ces chanceux, on trouve l'ancien gardien du Dynamo Kiev, Nikolaï Trusevitch. À sa sortie de Darnitsa, Trusevitch est légèrement en galère. Il file sous un pont et n'a quasiment rien à se mettre sous la dent. Mais un homme va le sortir de sa misère, un certain Joseph Kordic. Un homme d'origine tchèque qui aurait bénéficié d'un statut spécial de la part des Allemands de par des supposées origines allemandes. Et ce serait grâce à ça qu'on lui aurait confié la gestion d'une boulangerie de Kiev. Et ce Kordic, il aime bien le football et surtout, il aime beaucoup le Dynamo Kiev. Donc quand il voit Trusevitch, il le reconnaît de suite. Et il lui propose de l'aide immédiatement. Non seulement il lui propose un travail dans sa boulangerie, mais il lui propose également un plan. Un plan assez fou. Réunir tous les survivants du Dynamo Kiev et reformer une équipe pour participer à un championnat tenu par des collabos où les équipes allemandes, les équipes de l'armée allemande font office de favoris. Tu te doutes bien. Bon, je vais dire championnat nazi, c'est pas tout à fait exact, c'est plus une série de matchs d'exhibition, des tournois informels. Mais bon, c'est plus simple de dire championnat nazi et c'est un peu plus parlant. Parce que oui, les soldats allemands continuent de jouer au football, même en pleine invasion de l'URSS, même en pleine opération Barbarossa. Bon, pas pour la beauté du sport, hein. Tu te doutes bien, c'était plutôt pour faire la promotion du Troisième Reich. Et aussi pour prouver la supériorité de la race aryenne. Tout un programme. Et puis après avoir bombardé la ville, le régime veut redonner un petit peu de vie à cette ville de Kiev pour les Allemands qui vivent désormais ici. Et ça, ça passe par la culture. Que ce soit la culture populaire avec notamment le sport, le football, ou la culture plus classique avec l'opéra. Bref, Trusevitch accepte l'invitation et les deux se mettent en quête de ses anciens coéquipiers. Après plusieurs longues semaines de recherche, ils finissent par retrouver 8 joueurs du Dynamo Kiev, mais également sur le chemin, ils retrouvent 3 joueurs du Lokomotiv Kiev. Très vite, ils leur soumettent leur projet fou, et clairement au départ, ils sont pas franchement emballés. Jouer au football, c'est sympa, mais en pleine occupation nazie et avec quasiment rien dans le ventre, bof quoi. D'ailleurs, un autre homme leur a proposé un projet similaire et ils ont refusé. Un collabo du nom de Georgi Zhvetsov, fondateur du club local, le FK Ruhr. Et retiens bien le nom de ce mec amigo, c'est important pour la suite. Du coup, Kordic ne lâche pas l'affaire, et pour convaincre les anciens joueurs du Dynamo et du Lokomotiv, il leur propose un job à la boulangerie. Et ça, ça change tout. Les 8 joueurs du Dynamo acceptent la proposition, les 3 joueurs du Lokomotiv également, et 3 ouvriers viendront compléter l'effectif. Sans grand moyen, mais avec l'envie de manger et de prendre un peu de plaisir en jouant au football dans cette période sombre, un nouveau club va voir le jour. Un nouveau club pour un nouveau départ. Le nom est tout trouvé, ce sera le FK Start. Un nom simple, facile à comprendre pour tout le monde, mais sans connotation politique directe pour ne pas trop énerver les SS. Pour les couleurs, ils jouent en maillot rouge et en short blanc, comme la sélection du RSS. Là aussi, ça paraît logique, mais c'est juste dû au hasard. C'est le seul jeu de maillot qu'ils ont réussi à trouver dans Kiev, tout simplement. Et vu la situation, ils n'allaient pas chipoter sur la couleur des maillots. Le Dynamo Kiev, c'était l'équipe de la police soviétique. Le Lokomotiv, celle des cheminots. Désormais, ils forment l'équipe des boulangers. Ouais, c'est moins sexy dit comme ça, mais c'est pourtant un premier geste fort de résistance. Les conditions de travail sont très dures, ils mangent un petit peu mieux, mais c'est toujours pas la folie non plus. Были лишены средств существованию.
Жители города получали 200 грамм хлеба на неделю. Donc c'est très compliqué déjà d'aller se motiver à aller s'entraîner le soir après une très longue journée de travail. Et en plus de ça, ce sont d'anciennes figures publiques. Ce sont d'anciens grands sportifs, donc ils sont particulièrement surveillés par l'armée allemande. Et de ce fait, ils reçoivent même quelques coups de pression assez régulièrement. Ils doivent filer droit. Mais même dans ces conditions extrêmes, ils vont rechausser les crampons et s'entraîner régulièrement afin d'être prêts à intégrer le fameux championnat nazi. Dans ce championnat, on trouve pas mal d'équipes d'Europe de l'Est occupées. Des équipes formées en Hongrie, en Roumanie, mais on y trouve essentiellement des équipes de l'armée allemande, et particulièrement la Flakelf, l'équipe des aviateurs allemands de la Luftwaffe. Bon, t'imagines bien que les matchs étaient quelque peu déséquilibrés dans ce championnat, puisque d'un côté, tu avais des équipes formées par des civils ou des anciens prisonniers, ou de façon générale par des gens qui vivent sous occupation et qui ont assez peu de quoi se nourrir, et de l'autre, tu avais des soldats nourris, logés et parfaitement entraînés. D'autant plus qu'avant l'opération Barbarossa, l'Ukraine avait subi une grande famine entre 1932 et 1933, une famine orchestrée par l'URSS, donc autant te dire qu'ils étaient quand même dans un sale état à ce moment-là. Cette période de famine s'appelle l'Holodomor, et durant cette période, entre 3 et 7 millions de personnes ont trouvé la mort. Sauf qu'au FK Start, on est un peu mieux lotis que les autres. On parle d'anciens professionnels, de très gros clubs, et on parle de joueurs également, qui, grâce au travail à la boulangerie, ont un travail, ont de quoi un peu plus se remplir le ventre. Après attention, j'ai dit un peu mieux que les autres. Leurs conditions de vie restaient extrêmement difficiles. Le 7 juin 1942, le FK Start entre en scène et, hasard ou non, il tombe sur le fameux FK Ruhr de Georgi Zhvetsov. Score final, 7 buts à 2. Ce match sera le point de départ d'une série de 7 victoires consécutives assez impressionnantes, dont une victoire 11 à 0 contre une équipe roumaine. Et d'ailleurs, durant toute sa participation à ce championnat, le FK Start gagnera absolument tous ces matchs, même ceux face à des grosses équipes allemandes. Et ces résultats, ça ne plaît pas au régime allemand, tu te doutes bien, s'il y a une équipe qui doit briller, c'est forcément une équipe du régime. Et quand Adolf apprend que la Flakelf s'est prise une manita par une équipe de boulangers, de sous-hommes comme ils les appellent, hein, des Untermärchen, putain j'ai réussi à le dire, incroyable, bah forcément, ça passe pas. Et ce malaise, les joueurs du FK Start le sentent assez vite d'ailleurs. Hein. Au bout de 2-3 matchs, la question de est-ce qu'on continue de jouer se pose, très clairement. Mais d'un autre côté, ils voient aussi que leurs performances font du bien aux Ukrainiens qui, dans cette sombre période, en ont clairement besoin. Et leur enlever ce petit plaisir, cette petite fierté, c'est trop dur pour eux, ils en ont pas le cœur. Mais en tout cas, la question était légitime, parce que apparemment, le premier ordre d'Hitler à la suite de cette information, c'était tout simplement d'abattre le FK Start. Littéralement. Pour le petit moustachu colérique, le risque que les résultats de cette équipe fassent naître un sentiment de révolte, de résistance auprès des Ukrainiens était trop important. Mais avant ça, revanche. Et oui, exécuter des joueurs qui viennent de battre l'armée allemande, ça la fout mal, ça fait gros rageux quand même, et puis surtout, on resterait sur cette défaite. Les tuer maintenant, ça aurait été le meilleur moyen d'en faire des martyrs. Ce qui nous amène au fameux match de la mort. Mais juste avant ça, pense bien à vérifier si tu es bien abonné à la chaîne, amigo. Ok, c'est bon? Allez, on continue. Après 3 jours de promotion du match dans tout Kiev avec cette affiche, place à la revanche. Les joueurs du FK Start ont accepté le défi et le stade du Zénith de Kiev aurait réuni pas moins de 45 000 personnes pour l'occasion. Au coup d'envoi, les joueurs allemands posent avec le bras tendu, évidemment, et les joueurs du FK Start sont poliment invité à en faire de même par les soldats qui étaient présents au stade à ce moment-là. Mais mus par un esprit de défiance et de révolte, les joueurs ukrainiens refusent et entonnent même un chant communiste, repris en chœur par les 45 000 personnes présentes au stade. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Dès les premières minutes, la Flakelf prend l'avantage. Les joueurs du FK Start semblent déstabilisés. Et en même temps, on peut le comprendre puisque la rumeur voudrait qu'ils aient reçu des gros coups de pression pour qu'ils laissent filer le match. Et quand le gardien Nikolaï Trusevich prend un grand coup dans la tête, un coup violent et a priori bien volontaire, l'arbitre SS de la rencontre ne bronche absolument pas. Sonderschiedsrichter Vogel ist ausgezeichnet. Der macht keine Fehler. Mais tout ça, c'est juste un moment de flottement. Les Ukrainiens se ressaisissent assez rapidement et décident de jouer le coup à fond. Et ils vont très rapidement renverser totalement le score et mener 3 buts à 1 à la mi-temps. Nouveau gros coup de pression à la mi-temps. Un soldat SS se rend dans le vestiaire des joueurs du Start et leur fait comprendre qu'ils ont tout intérêt à moins faire les malins en seconde période. Si tu vois ce que je veux dire. Mais il n'en sera
rien. La seconde période sera tout autant disputée et le FK Start sera tout autant à son avantage. Score final, 5 buts à 3. Nouvelle humiliation pour l'armée allemande battue aller-retour par une équipe de boulangers ukrainiens. Les boulangers sont les nouveaux héros du régime soviétique et la boulangerie de Kordik devient un symbole de la résistance. Mais la joie est de courte durée, de très courte durée. Dès le coup de sifflet final, plusieurs joueurs du FK Start se font arrêter et 5 d'entre eux se font exécuter immédiatement au sommet du ravin de Babi Yar. Enfin ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Si tu as fait attention, amigo, tu auras dû remarquer que j'ai utilisé le conditionnel à plusieurs moments de ce récit. Alors rassure-toi, cette histoire est vraie. Sinon, je ne t'en parlerai pas aujourd'hui. Mais elle est aussi devenue un mythe avec le temps. Et chaque passage n'ayant pu être vérifié a été utilisé par le régime soviétique pour en faire de la propagande. D'autant que plusieurs écrits font état d'une assez faible résistance à l'invasion allemande par les Ukrainiens. Donc le régime de Staline voulait se servir de cette histoire pour faire naître un sentiment de patriotisme soviétique du côté de l'Ukraine. Par exemple, il n'y a absolument aucune preuve qu'Hitler ait réagi personnellement à cette histoire de match de foot. On est en 1942, ça commence à sentir le roussi pour lui, donc je pense que le ballon-pied c'est le dernier de ses soucis à ce moment-là. Alors l'ordre direct d'Hitler d'abattre les joueurs du FK Start juste après le match aller contre la Falkef, clairement c'est vraiment douteux. Autre point particulièrement douteux de cette histoire, ce match n'aurait pas réuni 45 000 personnes faucilles et marteaux à la main. Apparemment il n'était que 2000. Et quand on voit les restes du stade, le deuxième chiffre me semble plus crédible. Et puis surtout, les joueurs qui ont survécu à ce drame, qui ont tenu jusqu'à la fin du régime soviétique en 1991, ont tenu un tout autre discours à ce moment-là. Ils ont nié l'ordre d'effectuer le salut nazi au début de la rencontre. Ils ont nié la menace de mort à la mi-temps, et même l'énorme faute sur Trusevich, elle a été démentie. Ils ont même été plus loin, ils ont loué le fair play et la très bonne ambiance avec laquelle s'est joué ce match contre les joueurs de la Luftwaffe. Et pour parachever le tout, ils ont même reconnu qu'ils ont été forcés de soutenir cette version officielle romancée par le régime de Staline. Et oui, il leur fallait des héros. D'ailleurs, en 1965, le Soviet suprême de l'URSS décerne à titre posthume la médaille pour le courage à 4 d'entre eux. Et 5 survivants du FK Start ont reçu la médaille du mérite de bataille. Des statues ont même été érigées à leur gloire et le stade où s'est joué ce fameux match de la mort a été rebaptisé FK Start Stadium. Alors peut-être que c'est cette version qui est fausse. On sait pas. Mais quand je vois cette photo qui a été prise à la fin du match de la mort, je me dis que ça va quand même plutôt dans ce sens-là. Mais dans ce cas-là, si tout est faux, si tout s'est joué entre parfaits gentlemen le 9 août 1942, pourquoi des joueurs ont été exécutés? Parce que ça c'est vrai, ça a été vérifié. 5 joueurs ont trouvé la mort à la suite de ce match. Tu te souviens de notre ami Georgi Zhvetsov et de son club le FK Ruhr? Eux aussi ont eu droit à leur petite revanche contre le FK Start. Une petite semaine après, le fameux match de la mort. Et eux aussi vont se reprendre une bonne fessée, hein. Un bon tarif, 8-0. Sauf que Zhvetsov, contrairement aux Allemands apparemment, le fair play c'est pas son truc. Lui il est plutôt du genre collabo et mauvais perdant. Belle personne. Et en plus de cette double défaite, il n'a pas oublié non plus que les joueurs du FK Start avaient refusé de jouer pour son club initialement. Ah, autant te dire qu'il les avait là le mec. Du coup pour se venger, il va aller pleurer au bureau de la Gestapo et dénoncer les joueurs de Start. Il va les accuser de faire partie du NKVD, les services secrets de l'URSS. Vraiment une belle personne. Et autant les joueurs allemands avaient été plutôt fair play sur le terrain, autant du côté des bureaux, là on se fait pas trop prier. Hein, on va pas trop pousser l'enquête et on va prendre au pied de la lettre ces accusations. 6 joueurs de Start vont se faire arrêter et vont être envoyés non pas au sommet du ravin de Babi Yar, mais au camp de concentration de Siretz. Et 3 d'entre eux y seront exécutés, dont le gardien historique Nikolaï Trusevich. 2 autres joueurs vont trouver la mort sans passer par la case camp de concentration, Katchenko durant une tentative de fuite après une rixe avec un soldat allemand, et Korochik, alors lui c'est le plus dramatique, il aurait été dénoncé par sa sœur et torturé à mort par la Gestapo. Что с ним делать? Ну, понятно, что он не выдержал пыток и... Donc oui, il y a bien eu 5 joueurs de Start exécutés, mais pas après le match contre les Allemands de la Luftwaffe. Bref, le match de la mort n'est pas forcément celui que l'on croit. Les joueurs du FK Start n'étaient peut-être pas forcément de grands résistants, mais simplement des joueurs qui voulaient prendre un petit peu de plaisir dans cette période très compliquée. Mais ça n'en reste pas moins une histoire que je trouve absolument incroyable.
Voilà, amigo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, pense bien à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu aimes bien les vidéos storytelling, je peux te proposer cette vidéo sur le premier messie japonais, Ryo Miyaichi, aka le joueur le plus malchanceux de l'histoire, juste ici. Et si tu l'as déjà vu, moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.